Bonjour Hubert, encore une vidéo courte hein, pour présenter le marketing digital de @AZ qui sera publié chez Erol à la fin de l'année et on va se pencher sur la définition du digital. Mais pourquoi diable faut-il définir le digital ? Alors pas que le digital, là on définit le marketing digital. Le marketing digital. Le digital tout court étant soit du numérique, soit plus large, soit technologique, soit scientifique. Nous on est focalisé sur le marketing digital. Alors, est-ce que tu as une première définition à proposer et après on peut rebondir dessus pour préciser ou développer? Alors, on pourrait résumer de façon un peu lapidaire, après on peut discuter. Le marketing digital, c'est un peu le marketing de ce qui s'occupe de tout ce qui est fait de 0 et de 1 mais qui n'est pas de l'informatique. Ouh! 0 et 2, mais qui n'est pas de l'informatique. Je n'avais pas la même définition que Yann. Je peux vous en proposer une autre. C'est l'utilisation de tous les outils modernes à disposition des marketeurs, des communicants et des vendeurs qui vont permettre de décupler la puissance des messages. Donc, pour moi, le marketing digital a une vocation à faire croître l'entreprise, a une vocation à mieux servir les clients, a une vocation à utiliser la vidéo pour faire tout simple. Et pour reprendre le titre du livre, utiliser l'email, par exemple, la plus basique des opérations digitales, jusqu'au plus complexe, puisqu'on parle de Gen Z, on va peut-être parler de crypto-monnaie, de wallet et de Web3. C'est l'utilisation de l'email aux crypto-monnaies pour satisfaire le client, et tout ça sont des opérations digitales qui rentrent dans le cadre du marketing. Et on peut faire ce marketing digital même si on vend un produit tout à fait classique qui existe depuis un siècle. Prenons les bagages, prenons des produits de beauté, prenons des parfums, prenons des meubles. Eh bien, ce sont ces produits tout à fait basiques vendus en réseau physique et en e-commerce. On peut utiliser du marketing digital autour de ces produits. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est très simple. Vous avez vu, on peut être dans le marketing digital et même baigner dedans et avoir des définitions différentes. Ce n'est pas grave. Tout le monde a un peu sa définition et c'est logique parce que c'est un domaine très très large. Deuxième chose à retenir, dans ce livre, vous trouverez des définitions et des explications des différents périmètres qui couvrent le marketing digital de @AZ, hein, ça veut dire vraiment très très large. Alors on essaiera justement de couper à des endroits qui nous paraissent un peu aller trop loin. Dans les aspects, par exemple, on ne parlera pas du CRM, par exemple, même si d'aucuns incluent le CRM dans le domaine digital, mais pour nous, c'est plutôt de l'informatique et de la sales tech, on va le mettre un petit peu à côté. Donc, on va donner une définition la plus large possible et surtout une taxonomie hein, qui est visuelle, donc qui va vous permettre de comprendre ce qu'est le marketing digital, ce qu'il recouvre et quelles sont ses potentialités sans trop de complexité et de façon assez rapide et visuelle.